Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Nathalie von Arnstein et sa fine équipe pour un nouvel épisode sur Diablo 2. Salut tout le monde! Bonjour à tous, oula, il s'est téléporté. Salut tout le monde. Alors bon, c'est un peu le beans, on vient de débarquer, donc on est sorti de la grotte, hein. Si vous vous souvenez, on était arrivé jusqu'à la sortie. Là on est sorti, on est dans ce qu'on appelle le bois obscur. Et dans mon souvenir, on doit chercher un arbre, si c'est bien ça. Ouais, il est pas loin parce qu'il y a eu le chef Yeti qui est ici. Ok, ouais. Donc on a déjà trouvé un arbre. Ah oui, il est là. Bon bah c'est au micro de récupérer le parchemin peut-être. Bon, on va nettoyer un peu le coin. Je refais plus les présentations, hein, à force vous connaissez tout le monde. Appuie-y à force. Akoriano, Reyes, Sefifwin et Biscotto. Alors Kundry, si jamais c'est un mercenaire, donc hein, je crois que je vous l'avais déjà dit. J'ai invoqué aussi un petit golem que j'ai pu récupérer. Et toujours mes 4 squelettes, et donc on a une équipe assez violente. Ça vient de s'émerder à l'écran en tout cas. Bah ici Alors si vous n'y comprenez rien, c'est normal. Il y a les arbres et tout là, c'est terrible. Il est fuyé, il s'est pris une boule de feu dans le dos. Ah, il y a des champions ici. C'est où? Veraco, alors on va aller voir. Donc les champions, si jamais, c'est des monstres qui ont des noms, généralement des noms un peu bizarres et qui sont plus puissants que les autres. Voilà, ils sont morts. Ah, enfin, relativement plus puissants que les autres. Ah bah non, j'arrive. Donc, si jamais ces petits cons bleus là, ils ont tendance à fuir, c'est hyper chaud de leur courir après. Ouais, c'est le principe, dès que t'en tues un à côté, ils partent tous en courant. Et en plus, ils ont des espèces de chefs, des chamans en fait, qui peuvent les réanimer, donc c'est un sacré merveilleux. Mais que tu fais là, toi? De toute façon, on va back, non? Bah, il faut trouver le portail. Ouais. Comme ça, on reviendra plus rapidement. Ouais. Ah oui, c'est cool. Alors trouvons le portail, donc les portails qui permettent, comme je vous le disais au tout début de l'aventure, de se téléporter. Et qui, vu le système de régénération de la map à chaque fois qu'on recharge la partie, ben, sort un peu de point de sauvegarde. Vous êtes où? En bas. J'arrive. Bah sur Gaga il tue dans la chance, souvent en plus. Ah, c'est pour ça que t'es vachement à la bourre, Elis. Attention, il lag. Ya! C'est niveau 12 déjà? Qui? Non, toi, mais en fait. Histoire de renforcer tout le monde, allez, encore un petit coup. Ouais. J'attends l'écriture barbare. Ouais, ils sont terribles. Oh! Qu'est-ce que qui a fait ce bruit? Ah, 10% vitesse de sort rapide, Biscotto. Ouais. Ah, tu vas pouvoir bombarder avec ça et ton anneau. Mais je commence déjà à aller vite de toute façon. Nat et Yis, vous êtes perdu en haut. On arrive. J'ai quelques lags aussi, il faut admettre. Je pense que ça vient du nombre de bestioles qui traînent à l'écran. Ouais, je tape sur des ennemis qui sont pas forcément juste à côté de moi en fait. Aussi. C'est toi qui héberge, non? Ouais, mais ça me fait comme si j'étais pas dans ma guerre. Ah, bizarre. Lui, il est là, le portail. Ouais. Cette fois, je vais juste m'assurer qu'il est bien activé. Donc du coup, on fait quoi? On le remprunte pour retourner Ouais. Ouais, d'abord, on va... Voilà. Retourner où, en fait? Chez les rogues? D'abord en ville, ouais, et après... Si tu veux, j'ai un anneau qui fait 10% de vitesse de sort en plus. Ouais, je pense c'est pas trop ça. T'es où? À côté d'Akara. Les rubis, ça vous intéresse? Non. Ouais, je vais garder. Ça a l'air sympa. Voilà. Ah,
Je vais remonter à quelle vitesse de ça? Bah t'as 30% supplémentaire je crois. Là en tout ouais, maintenant ouais, je suis. C'est bon, tout le monde est prêt? Ouais, attendez 2 secondes, je fais 2-3 paris. Ah dépêche-toi. Ok, alors au programme à présent, un petit viré à Tristram pour les nostalgiques de Diablo 1. Vous allez même retrouver la musique, je la vous montrerai peut-être un petit peu pendant qu'on y sera. Et Tristram va être très... très différente de ce que vous pouvez vous attendre, ouais. Voilà. En plus, je crois que les cailloux, ils étaient tout près du portail, donc... Ouais. Bah oui, il y avait Rakani dessous. On y va? Bah allez. Go. Ah, je suis devant toi. Alors, c'est... Alors. Attendez-nous avant d'ouvrir le portail, attendez-nous. Je crois même pas qu'on puisse le faire en nous-mêmes, en fait. Si, si. Bah, j'ai le prochain avant, je peux. Ah bah, nous, on peut pas. On doit le faire. Attendez, Is. Ah. De toute façon, je peux l'ouvrir en attendant. Mais... Qu'est-ce que ça fait? Allez, on est au portail. J'espère que ça ne vous spamme pas. Je vais aller voir les options audio parce que... Voilà. Ça a ouvert un portail. Go. Ouais. Lewis, il est là. Les fantômes et descendent. Je le vois pas moi. Il reste de dessus. Et ben go. Ah oui, faites gaffe aux vaches aussi. Non mais je crois qu'elles ont les vaches. Elles explosent. Go. Oh, il y a un boss là. Attendez, c'est Griswold, je prépare mon champ. Non, je cherche pas, il est à moitié mort déjà. Il y a le ver régulier aussi qui traîne vers chez moi. Wow. Putain, on lui fait que dalle. Ouais, on l'a maté. Ah. Il a lâché un gourdin, hein, cet enfoiré, c'est tout. Envoûtement éclair. Ouais. Attention la sorcière. Oui, oui. J'ai senti, j'ai senti. Alors du coup, je vais remettre la map pour voir où ils sont. Oh, le beans que vous avez mis. Vous êtes capté, hein. Partout. Ah, mais il y a des ennemis partout, ça s'arrête plus. Ça fait plein d'XP. Ouais, mais j'ai pas le temps de mettre mon niveau. J'ai déjà gagné la moitié de mon level pratiquement. Ah. Donc, Wirt. Le merde. On l'attend pas de suite la jambe. Ouais, ouais, non, mais oh, je ça sert à rien. Regarde-moi, c'est rapide là. Non, mais t'étais avec nous. Oui, non, mais j'en ai pris que deux moi. Non, non, mais c'est moi. T'as vu Rick? Là, j'ai un ennemi. Deux même. Pas assez. Ouais, j'ai pu choper une seule pièce d'or. J'ai chopé deux, je crois. On fait le tour avant d'aller au milieu. Attendez, attendez, avant. M'aider, attends. Ah ouais, non, mais je vais libérer. Nat, bah, tu fous de... Nat, tu viens de par ici, s'il te plaît. Ouais, j'arrive. Pour la libération. Donc un vieil ami du 1 aussi. C'est très cher, K. Hein. Si tu tiens à la vie, sors d'ici immédiatement. La 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 la. Comme tu lui parles. Ouais, c'est clair. Putain, ça m'aurait pas plu, moi je l'aurais tué. Hein. Bon, allez, tous sur le nécro, non? Je rappelle que si je meurs, l'aventure s'arrête. Hein. Ou à moins qu'il y en ait un de vous qui veuille se financer frappe, c'est filmé sans moi. Hein. Mais dans ce cas, je pars boudé. Hein. Allez, alors. Bon, bon, on moi, a fait le tour, je crois. Bien. C'était vite nettoyé. Hein. Et voilà. Maintenant on peut identifier. Oh, j'ai rien récupéré. J'ai récupéré une dague et une ceinture. Deux parchemins d'identification. Un parchemin d'identification et une potion de ravissement. J'ai récupéré un gourdin tout moisi. Scotto, j'ai encore vitesse de sort très rapide. Non. J'en ai déjà trois. Des anneaux de, j'ai deux anneaux et une amulette. D'accord. Qui prend les améthystes déjà? Personne, moi je les vends. Moi je vais la garder au cas. Vous avez risqué. Qu'est-ce qu'elle m'a refilé? Ah, moi, c'est le pour moi. C'est toi qui peux t'en servir maintenant, vu qu'il s'en sert pas, Rick. Qui peut s'en servir de quoi? Des améthystes, ça peut te servir à toi pour l'instant, juste.
ça, je c'est un peu ça la vie d'aventurier. Hop. Alors, bah, après ce passage éclair à Tristram, je propose qu'on arrête ici pour cette petite vidéo. Ah, pour vous juste voir qu'un, donc, il identifie maintenant les objets gratos. Salutations. J'en ai pas sur moi, donc forcément il identifie pas. j'ai envie de vous dire à bientôt, et puis pour le prochain épisode avec toute la bande. Salut à tous. Salut tout le monde. Salut tout le monde.